Dans cette troisième partie de la vidéo concernant Linux et l'introduction à la commande en ligne, on va continuer dans notre série et on va continuer par introduction de plus en plus de commandes, et l'idée pour nous tous nous familier avec l'environnement Linux à l'air. Donc, vous allez comprendre le système de fichiers, de dossiers, comment il est organisé Linux. Vous allez trouver c'est-à-dire la commande en ligne, c'est quelque chose de plus, une manière efficace de faire des choses. Une fois tout le faut le mode de travail avec Linux. Je peux vous assurer qu'à un certain moment, il y a la meilleure méthode de faire certaines choses. Mais c'est la meilleure méthode de faire certaines choses. Bon, donc la leçon de la dernière fois. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que j'ai installé une version en français. Bien que le clavier il est en anglais, je vais trouver peut-être certains problèmes. Le fait que Maldish certaines lettres avec accent. Ou comme exemple. Bon, ce n'est pas un problème pour le moment. Donc, on a la dernière fois que je fais chez Amma, LS. C'est en français. Donc, il y a la liste qui il apparaît les dossiers. D'accord? Les dossiers. Les dossiers directement. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais voir, par exemple, à l'intérieur d'un dossier, parce que la dernière fois, je fais un déroulé CD, je me trouve derrière un dossier. Donc, Change of Directory, le dossier qui est un document, DO. On appuie sur Tab pour compléter. Donc, ce n'est pas la peine de taper document. Donc, juste les premières lettres. Et là, et on met LS pour voir où je gagne le Donc, il y a quatre fichiers texte. D'accord? Là, le dossier est personnel. On efface l'écran. Donc, on met LS. Et je vais vous montrer comment afficher le contenu du document, blême dans le document. Pour cela, on met ls ou do espace. Do tablature avec la table. Ce qui fait, c'est que ça complète le document. Et là, l'instruction, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ls, comme je fais la première leçon, donc elle dit à la commande de Linux. Donc, ls, c'est la commande. Ou hadia, c'est l'argument. Ce n'est pas une option, donc c'est l'argument. Donc, nous dirons. Qui fait chez nous sous ma pardon dire donc une commande que je fais la malouine donc la commande ou là je fais la commande avec option donc là je fais commande avec argument. L'argument c'est que les documents donc le dossier document qui dit d'ailleurs il va afficher le contenu dans le document sans le dossier d'un personnel qui est indiqué par Hadaya. D'accord? Pardon. Bon. Zidon 0, donc ls, 0-1, donc avec option, et toujours document. Il va nous afficher ça. Donc, je fais Hadaya, c'est l'exemple typique d'une commande Linux. Donc, il y a la commande, il y a l'option et l'argument. Je fais par exemple la même chose à ma téléchargement. Dero ls l téléchargement. Donc, Dero qui dit TE, pour ma indice, j'ai l'accent E avec accent E. Donc, si je mets plusieurs fois même taper Tabagda, parce que ma fiche, donc il n'accepte pas si j'écris par exemple télé char je m'en par exemple Agda
Elle laisse impossible d'accélérer le téléchargement aucun fichier ou dossier de ce type. Parce que Phoenix, les trucs majuscules, minuscules, avec accent ou sans accent, c'est un caractère différent. Donc pour moi, ce que je vais faire LS et je mets T, je mets tablature. Comme parce qu'il n'y a aucun autre dossier libre de T, donc on est bien. Nous comme ça, dans le cas où qu'il y a un dossier en T, tu fais Shindero pour remédier à ça. D'accord? Vous avez un autre dossier avec T ou BLE, par exemple. Et on va voir comment. Donc, donc un téléchargement. Donc, on a affiché le contenu d'un téléchargement. Donc, on voit bien que. Je crois qu'on a le problème, mais pour le moment. Donc, LS, téléchargement. On va appeler l'intérieur Kayen des dossiers. Avec des dossiers qui sont bleus, ou on a des fichiers. D'accord? Donc, on a donné la même chose. Donc, L. On a trois dossiers et on a trois répertoires et deux fichiers. Maintenant, si on veut voir par exemple ce qu'il y a derrière le document, par exemple, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Elle est chargée mon document. D'accord? Donc, il va afficher à l'intérieur du document. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a trois dossiers, qui est livre, PDF et texte. D'accord? Maintenant, si on veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière le livre. Zido, L, livre. Kane Haja, les souvent, par exemple, comme bon, un livre, il n'y a pas grand-chose. Donc, je faut oublier toujours le dossier principal. Dire clair, vous voulez comme une instruction qui est intéressante, c'est que, qui dit, une grande instruction, une grande commande. Bah, qu'à la fin, vous décidez de ne pas la faire. D'accord, vous ne voulez pas l'exécuter de la commande. Au lieu de faire ça, il y a une méthode très simple et rapide. C'est CTRL A. Ah, pardon, j'ai CTRL A, tout le début. Pour la fin, c'est CTRL C. CTRL C, tout simplement, il annule la commande à lire. D'accord? Donc, CTRL C pour sortir. CTRL A, c'est comme home, revenir au début de la home. Bon. Maintenant, c'est pratiquement, bon, on a 8 minutes. Donc, on va apprendre Hadja intéressante et Yom, Tani. Par exemple, donc, clear. Je fais la dernière fois, par exemple, ls dero help. Et ça va nous donner l'aide sur l'instruction. Nous allons voir comme une autre instruction où il y a man, qui veut dire manuel. Le manuel, t'as, par exemple, ls. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ailleurs? Nous sommes dans un éditeur de texte. Donc, Anna, il me donna l'information sur le manuel car l'instruction à lire. Donc on peut aller manuel page LS1, ligne 1, press H for help or Q to quit. Donc Anna, c'est pour si vous voulez sortir maintenant, vous tapez sur la lettre Q. D'accord. Donc si on met Enter, donc Anna, il nous informe sur la lettre sur la commande LS. Et là, une fois qu'on lit, donc c'est plus pratique par rapport à help. D'accord? En plus, c'est plus complet. D'accord? C'est un manuel qui est plus complet. On va faire Q pour sortir. Et on est là. Ken Hajab, je trouve par exemple, les instructions libres de L. Par exemple, on dit L, on tape
comme table une deuxième fois, il 105 possibilités. Donc, dire oui, yes. Et là, on a galé les instructions libdaw. Donc, mabla. Je vous l'ai. Donc, il y a plein d'instructions. Et à chaque fois, lorsqu'on voit les instructions, qui m'a par exemple, je fais MK, par exemple, dire M, on met tab, il y a bzef, grec, et là, je vois quand même, par exemple, une instruction qui est intéressante qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est MK2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on peut la copier, d'accord? Khorjumna avec la lettre Q, quit, et là, on tape où? Man et coller. Et là, il nous donne MKDIR. MKDIR, c'est créer des répertoires, make directories. D'accord? Bien sûr, s'il n'existe pas, s'il n'existe pas. On va voir ça. Donc, allez, on a terminé de la vidéo. On va essayer de faire autour de 10 minutes. Chaque fois, chaque 10 minutes, nous allons apprendre Hajjawla. Et à chaque fois, les choses, on les utilise, et on commence à construire un savoir de la commande en ligne Linux. N'hésitez pas d'aimer cette vidéo, si c'est la première fois, de vous abonner pour d'autres vidéos. Et aussi, vous êtes libre d'utiliser la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la modifier, il n'y a aucun problème, comme je copierai tout ça, mais qu'elle déjà spécial. En tout cas, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour votre attention.